Bavyeyi, iyo umwana arongeje incanco zose kandi ku gihe araheza agakurana amagara meza. Quelle belle fête! Quelle belle journée sous ce soleil, sous ce bleu du Burundi. Me retrouver parmi vous en ces lieux embellis et à cette occasion du 9 mars 2020, où le Burundi s'associe au reste du monde pour célébrer la Journée internationale des femmes, est l'un des grands privilèges de ma fonction et je vous en remercie. Cette journée est l'opportunité pour nous d'abord d'apprécier la grande contribution des femmes à travers l'histoire à tous les grands mouvements de paix, de solidarité et de liberté. C'est aussi l'occasion pour nous d'apprécier, de reconnaître l'immense progrès réalisé. Et c'est aussi le moment pour nous d'apprécier le long chemin qu'il nous reste à faire. Permettez-moi, au nom du secrétaire général des Nations Unies et tous ses collaborateurs, au nom de tous mes collègues du système des Nations Unies au Fonds Burundi et en mon nom propre, de souhaiter une excellente fête de la Journée internationale des femmes à toutes les femmes du Burundi. Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi, distingués invités, mesdames et messieurs, le monde entier célèbre aujourd'hui la Journée internationale des femmes dans un contexte très particulier, car l'année 2020 marquera le 75e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies. Depuis janvier, le secrétaire général a lancé un vaste débat inclusif à l'échelle planétaire sous le rôle de la coopération mondiale dans la construction de l'avenir que nous voulons tous. Et le droit des femmes sera certainement au centre des discussions. 2020 coïncide aussi à 20 ans d'existence de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité, et le 5e anniversaire de vie des objectifs du développement durable, la réalisation desquels n'est même pas concevable sans la participation, l'implication des femmes. Distingués invités, le Burundi a vu des progrès remarquables dans son passé récent dans tous les domaines du plan d'action de Beijing. Au niveau stratégique, la politique nationale genre, le cadre légal avec le quota des 30% minimum de la représentation des femmes dans les instances décisionnelles inscrits dans la Constitution nationale et bien d'autres textes sont des preuves tangibles du progrès réalisé. Au niveau opérationnel, les progrès en matière de scolarisation des filles, la réduction de la mortalité maternelle, l'accès à l'accouchement assisté sont tant d'exemples qui prouvent les progrès et l'effort consentis au niveau national pour améliorer les circonstances des femmes. Cependant, nous le comprenons tous, il y a encore beaucoup à faire pour atteindre les objectifs visés sur tous les plans de l'autonomisation sociale, politique et économique des femmes. Nous devons tous conjuguer nos efforts pour que les générations futures n'aient plus à entretenir des discussions sur la condition des femmes et les solutions à y apporter. Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi, distingués invités, au système des Nations Unies, l'engagement est sans équivoque. Le secrétaire général des Nations Unies lui-même, M. Antonio Guterres, a réaffirmé « L'égalité des sexes fait partie de l'ADN même des Nations Unies, car droits égaux des femmes et des hommes sont inclus dans la charte fondatrice des Nations Unies signée il y a 75 ans. » Ce 27 février, il a été encore plus loin. Il a lancé, tout comme l'esclavage et le colonialisme étaient les tâches des siècles précédents, nous devrions tous avoir honte des inégalités dont sont victimes les femmes au 21e siècle. Ce n'est pas seulement inacceptable, disait-il, c'est même stupide. Il nous interpelle à briser les chaînes pour achever définitivement tous les engagements pris à Beijing en 1995 par les 189 États, dont le Burundi. Pour ce faire, il nous offre une feuille de route très claire. 1.
lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles. 2. Rendre les économies plus inclusives. 3. Promotion de la santé sexuelle et reproductive. 4. Responsabiliser les hommes et les femmes face au changement climatique. 5. Promouvoir l'innovation pour l'égalité du genre. 6. Appuyer le mouvement leadership féminin. La représentation, la directrice exécutive de l'ONU Femmes, quant à elle, nous rappelle que les enseignements tirés de ces 25 dernières années nous ouvrent la voie sur ce qu'il faut faire pour accélérer l'action en faveur de l'égalité. La génération égalité est l'une des réponses et ensemble, nous sommes cette génération. Et l'événement du jour est en droite ligne avec les recommandations de ces différentes entités. Sous votre leadership, Monsieur le Président de la République du Burundi, le Burundi porte à échelle la participation de tous, hommes, femmes, jeunes et minorités, sans exclusion, et en privilégiant les dialogues intergouvernementaux. Nous avons tous un rôle à jouer, que ce soit en partageant les responsabilités familiales, que ce soit en dénonçant le sexisme et le harcèlement, que ce soit en intégrant une culture professionnelle égalitaire, que ce soit en faisant valoir les droits politiques, que ce soit en amplifiant la diffusion des études sur les questions de genre, que ce soit en valorisant l'égalité des droits des jeunes et des plus âgés. Nous sommes tous co-responsables. Mon plus profond souhait pour la femme du Burundi et que j'essaierai d'exprimer en Kirundi est Mukeyanzi Gira Amoro Namahonda, femme et paix et prospérité. Le système des Nations Unies au Burundi, sur l'emprise d'achever et de réaliser l'agenda 2030, doit naturellement contribuer à combler les gaps à tous les domaines qui gardent leur actualité. Notre engagement aujourd'hui, notre cadre aujourd'hui, et la mise en œuvre de l'UNDAF, étant d'agir sur le slogan « Tous unis dans l'action », nous facilitera à jouer notre rôle et d'être effectivement cette génération égalitaire. Que vive le Burundi, que vivent les Burundaises. Joyeuse fête à toutes les femmes et filles du monde entier. Bavyeyi, iyo umwana aronkeje incanco zose kandi kugihe arahezaga kurana amagara meza.